Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Fun and Flow. Alors j'espère que vous avez bien compris la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve sur Harry Potter Quidditch Champions. Oh yeah. Alors les amis, j'espère que vous avez bien compris la forme, en tout cas moi ça super bien. Et aujourd'hui je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, pour la finale de la Coupe du Monde. Parce que oui, j'ai pris ma revanche. Oh oui, ça commence fort. 10-0, allez hop, let's go. Donc j'étais en train de dire les amis, aujourd'hui je vous retrouve donc sur Harry Potter Champion de Quidditch pour la finale de la Coupe du Monde. Sachez que j'ai dû tout refaire, bon je vous ai fait des cuts, tout ça. Je vous ai pas rediffusé, oh bah c'est magnifique. Je vous ai pas rediffusé tous les matchs parce que bon, tout refaire ça aurait été un peu trop long. Une vidéo d'une heure ça aurait été un peu trop long. D'ailleurs je vous remercie hein, pour vos retours sur la dernière vidéo. Franchement j'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu, ça me fait vachement plaisir. Et d'ailleurs sachez que ça m'a donné envie de vous proposer un peu plus de contenu sur le jeu. Et j'espère que cette nouvelle vous fera plaisir. Donc ici aujourd'hui les amis au programme, eh ben, nous sommes en finale de la Coupe du Monde face à la Suède. Comme vous avez pu le comprendre. Et on va essayer cette fois-ci de la remporter. Puisque la dernière fois on l'avait perdu de 10 points, c'était face à l'Allemagne. L'Allemagne on les a pas croisés finalement. Donc ici on aura peut-être un peu plus de chance. On verra bien ce que ça vaut la Suède. En tout cas on va tout faire pour. Pour le moment ça se passe très très bien. Et on va essayer de terminer, je vais dire, en mode campagne. Puis on ira sûrement en ligne. Oh, c'est magnifique. What? J'ai pas vu où est parti mon tir. C'est pas grave. En tout cas, les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous. Je compte sur vous pour aider la chaîne à bien se développer. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne secondaire consacrée à la course à pied. Et c'est à 30-0. Magnifique. Et c'est tout ça, les amis. Un énorme merci pour votre soutien. Allez, on se concentre. Oup! On essaie d'envoyer le cognard, dis donc. Allez, on y va, on est parti. On reste focus, on ne lâche pas. On va aller chercher cette Coupe du Monde. Allez, on y va. En tout cas, pour le moment, je me sens bien. D'ailleurs, sachez que si on gagne ici, normalement, on devrait débloquer le niveau de difficulté supérieur. J'ai très très hâte de voir ce que ça vaut. Et puis, bah, qui sait, peut-être qu'on refera des lives dessus. Le mode campagne en mode expert ou en mode... Si pour le moment, je suis en mode avancé. Ok, faut prendre le batteur. Allez, Chang, viens ici. Alors, tu es là. Ah. Ok, il faut aller chercher le poursuiveur, l'attrapeur, pardon, qui est là, pour la Suède. Comme ça, on fait en sorte que notre cher pot de fleurs arrive à l'avoir. Hop, tiens, prends ça. Comme ça, Tulip pot de fleurs pourra avoir le vif dehors. Alors, où est-ce que tu es, mon cochon? T'es là. Hop là, éliminé. Ok, avec Chang, maintenant, on va s'attaquer au gardien, à la défense. Et sur ce temps-là, eh ben, nous avons Gwendoline Rosales qui a marqué. Ça c'est très bien ça. Alors pour s'occuper du gardien. D'ailleurs en plus de ça les amis, si dans la communauté ici il y a des amis qui jouent à Harry Potter Quidditch Champions, eh ben, n'hésitez pas également à vous manifester parce que ça pourrait vraiment me plaire de créer une équipe avec vous et de faire un petit tournoi en ligne comme ça. Franchement c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. En tout cas ça pourrait bien me plaire. Ok là ici, prenez de la graine. Ok, maintenant on va changer de poste. Un poursuiveur. Et à personne, on tire. Allez, 50. Ça sent la manita ici. À mon avis, la vidéo va être très très courte. Il reste encore 3:35. On gère vraiment hyper bien. C'est autre chose que l'Allemagne. Hein. On avait été très dur face à l'Allemagne, mais à la Suède, je sais pas ce que c'est comme équipe au niveau du jeu, mais elle a pas l'air si folle que ça. Hein. Car là, on la domine, c'est incroyable. Ah, et toujours pas le premier. Bon bah ils attendront. Impeccable. Hop. Normal, je suis en mauvaise direction. Je me remets bien. Allez, Harry Potter. Hop. Petite demande de passe, on l'a vu. Hop, maintenant on la lâche. On tire. Eh oui, 60. Donc là, si Vive doit être attrapé, il nous restera un but à marquer et le match est terminé. Ah bah voilà. Donc là, si on marque, c'est terminé et ça sera 100-0. Ça aurait été rapide cette vidéo, si ça se passe comme ça. Ah bah c'est ça, on va essayer d'aller choper le ballon tout de suite. Ok, on l'a. Ah bah c'est ça, on marque maintenant, c'est terminé. Attention, est-ce que la vidéo est déjà terminée? Attention, et c'est fini. 100-0. Et bah voilà, on est champion du monde les amis, let's go. Sans aucune contestation, on termine champion du monde. Magnifique. Bon bah les amis, on va se retrouver pour... Bah simplement la cérémonie de clôture et puis après bah, je vous retrouverai dans les menus et on attribuera les derniers attributs pour nos joueurs. Allez, je vous laisse avec la célébration. Et avec cette victoire, la France remporte la très convoitée Coupe du Monde de Quidditch.
Et ben voilà les amis, ça y est, on est arrivé au bout du mode campagne, on est donc devenu champion du monde. Et normalement, puisqu'on a gagné tout en avancée, normalement, on a dû débloquer le mode de difficulté supérieure. Maintenant, bon, on verra si on le fera plus tard, peut-être. En tout cas, moi, pourquoi pas faire des petits lives détente comme ça, en mode expert, tout ça. Mais à ce moment-là, j'aimerais bien jouer à plusieurs. Ça pourrait être vraiment être sympa. Et comme ça, ben, peut-être finalement que je vais jouer le rôle de batteur ou de poursuiveur, je ne sais pas, mais en tout cas... En résumé, sur ce jeu, ce sont vraiment les deux rôles que je préfère le plus. Les deux postes que je préfère, c'est vraiment batteur et poursuiveur. Alors, du coup, maintenant, on a obtenu 3 points de récompense. Et ben, pour conclure cette vidéo et aussi bah, le mode campagne, et ben, on va aller attribuer tout ça à notre équipe, qui est juste là, qui est magnifique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ils ont de belles tenues de serre d'aigle, là. Bon, Harry Potter, on sait que c'est un Poufsouffle, hein, mais bon, voilà. D'ailleurs, pour lui faire honneur, on va quand même lui remettre Poufsouffle, hein, on va lui remettre... Je vais me regarder s'il n'y a pas moyen d'acheter une autre tenue. Voir s'il n'y a pas moyen de... Oh! Ah bah oui, France! Puisqu'on a représenté la France, on peut. Et ça, c'est quoi? Défi, plus 10, j'ai 3 sorciers. Ok. Ah, elle pourrait être pas mal cette tenue, ok. Sinon, la tenue de la France. Est-ce qu'on va la mettre? Bon, allez, on peut la mettre, hein, soyons fous. Voilà, on va la mettre. Donc là, il faut gagner la Coupe du Monde, je suppose, avec toutes les sélections qu'on a ici. Et puis après... Eh ben, on peut les équiper. Ah bah, c'est génial, ça. Ok. Bon. Ah, il faut que je valide le choix. Voilà. Voilà, comme ça, c'est validé. Ok. En tout cas, les amis, vous pouvez être heureux. Hein, pour tous mes amis français, d'ailleurs, gros big up à vous. Si vous regardez cette vidéo, parce que je sais que j'ai une très grosse communauté française. Pour un Belge, représenter la France, c'est quand même quelque chose. Hein. Après, je vais dire, moi, j'ai rien contre la France, hein, personnellement. Donc il dirait je suis francophone, la francophonie a été représentée bien comme il faut. Et puis de toute façon, si je devais aller dans un établissement, ça sera à Beaubaton. Et Beaubaton, ça se trouve où? En France. Donc voilà. Alors on va du coup personnaliser tout le monde. Et après on s'occupera des attributs. Alors hop, on va être la belle tenue de champion du monde. Par contre c'est quoi ça? C'est qu'il y avait un truc en plus. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il y avait un truc qui s'était mis, bon. On fera peut-être les autres avec les autres nations pour emporter d'autres tenues. Bon, alors, toi, c'est pareil, on va le mettre la tenue de France. D'ailleurs, je vais regarder qui je vais améliorer pour regarder un petit peu à l'avenir un petit peu. Voilà, personnalisé. La France pour Chang. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport aux sélections, il y a juste un petit bémol. Bon, c'est parce que je suis belge, vous allez dire. Mais bon, malgré tout, je trouve que, bon, il y a 16 nations qui sont représentées. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est déjà bien qu'on ait la Coupe du Monde. Mais j'aurais bien voulu qu'il y en ait un petit peu plus. Donc peut-être dans une mise à jour, à l'occasion, je sais pas, d'une Coupe du Monde, dans la vie réelle ou même de football ou que sais-je. Peut-être importer des... Non, pas ça que je veux mettre. On doit glisser, voilà. Peut-être importer des tenues supplémentaires avec d'autres sélections. Parce que franchement, ça pourrait vraiment le faire. Après, à voir si les personnages existent dans le lore d'Harry Potter. C'est peut-être ça aussi. Parce que je pense que tous les personnages qu'on a pu voir lors de cette Coupe du Monde, ils appartenaient sûrement au lore, à l'histoire même de Harry Potter dans les livres. Donc, c'est peut-être ça aussi. Quitte à créer de nouveaux personnages, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà les amis, là, ils sont tous équipés avec la belle tenue de France, même moi, qui suis belge. Et oui, j'arbore le maillot français pour le Quidditch. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, voilà, on a représenté la francophonie en priorité. Alors maintenant, on va regarder au niveau des performances. On a 3 points de compétences à distribuer. Ok, et ben, on va regarder à ça. Bon, notre batteur, qu'est-ce qu'on peut regarder? Non, c'est pas ça que je vais faire, voilà, c'est ça. Alors, on a le travail d'équipe. Tac, il est à fond, donc ça, il n'y a pas besoin. Portée d'installation du cognard accru. Dégâts des cognards 2. Pourquoi pas. Mais je pense que je vais booster plutôt, c'est les... Et alors, le gardien, peut-être. Attendez, gardien, qu'est-ce que j'ai? Défense. Le fait de dévier un cognard avec un coup de pied totalement chargé le renvoie au batteur. Pourquoi pas. Temps de latence du meneur de jeu. Temps de latence du meneur de jeu réduit. Dégâts du coup de pied de 1. Oui, la trappeuse là, la recherche est bon. Défense, je trouve que c'est pas mal. Perturbation, dégâts de percussion, pourquoi pas. Ben écoutez, je vais attribuer à mon personnage. Je vais mettre dans
Alors, on va mettre un petit 1 dans chaque. Voilà, on va faire lancer chargé. On va en mettre un là. On va mettre un point de travail équipe. Et je pense même que l'aspiration débloquée, le fait de voler derrière des coéquipiers, accroît la vitesse jusqu'à un boost de vitesse de 20%. Ça peut être intéressant. Ou alors les tacs. Et là, on a quoi? Rayon de collision des tacs accru. Ben, je pense que oui, rayon des tacs, oui. Parce que le balai, on l'a déjà bien amélioré. Alors là, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Oh, oh, un chasse orage. On l'a débloqué, lui, ça, à nouveau. Ok, chasse orage. Le Nimbus. Oh, Nimbus, pareil. Et on peut aller loin, loin avec le Nimbus. Ok, et eh ben, pourquoi pas équiper le Nimbus. Après, moi, j'ai aussi un faible, c'est pour celui-là. Hein. Pour le chasse orage. Agilité, vitesse. Parce que, après, il faut dire que lui, on l'a bien boosté hein, aussi, il faut dire. Faut dire ce qui est. Après, il y a lui. Ah, ok, 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 ok. Lui, ça serait plutôt pour donner à... Le comète, ça serait plutôt à booster pour un batteur, ça, à la limite. Niveau durabilité, agilité. Ou un gardien. Ok. Ah bah, écoutez, je vais faire le Nimbus. Hop. Encore le booster un coup. Encore un peu. Voilà. Et donc le Nimbus, il est plus faible au niveau durabilité. Bah en fait, j'aurais même pu garder celui-là. Bon bah c'est pas grave, écoutez. Donc le comète alors, ouais, le comète, il faut s'équiper à... Le comète. Alors le comète, on va l'équiper à Chang alors. Donc hop, balai. Le comète, c'est à Chang qu'il faut le mettre. Parce que comme ça, durabilité, agilité, moi je trouve que c'est très bien ça. Ouais. Hop, voilà. Comme ça, ça sera son balai à lui. Moi je pense que c'est le mieux. Et alors, pareil ici, je pense qu'on va faire pareil avec elle. Il faut de l'agilité, vitesse à la limite pour elle, c'est pas grave qu'on en ait pas. Vitesse, l'héritage qu'on a, il est super costaud quand même. Chasse orage. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Durabilité, agilité, ça c'est le Nimbus. Durabilité, agilité. Ah, bah le comète, j'avais déjà équipé à elle, ok. Et alors, ici. L'héritage, toujours bien équipé, ok. Alors lui, c'est bien l'héritage qu'il a, oui. Elle, surtout, c'est l'héritage qu'il lui faut, impérativement. Et elle, l'héritage, normalement, c'est bon aussi. Ok, on a bien boosté le tout, impeccable. Magnifique. Impeccable, impeccable. Alors, mettre à jour, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah bah, le drapeau de la France, puisqu'on a gagné la Coupe du Monde avec la France, ok. Lettre de Poudlard. La Coupe du Monde. On va d'ailleurs l'arborer, tiens. Voilà. Et au niveau du marché, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Ben, pas grand-chose pour le moment, donc il faudra rejouer. Tant mieux, c'est ce qu'on demande. Bon, et ben les amis, on va donc se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et donc, c'est là-dessus que va se terminer le mode campagne sur Harry Potter, champion de Quidditch. Maintenant, sachez que ce ne sera pas la dernière vidéo sur le jeu, puisque on y jouera de temps en temps, puis hors caméra, moi je vais essayer de continuer à jouer pour garder mon niveau et progresser. Mais qui sait, peut-être refaire le mode campagne à plusieurs, en mode multijoueur. Si jamais il y a des intéressés, franchement, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et on pourrait s'inviter ensemble, pourquoi pas, faire des sessions comme ça en vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, ben, franchement, moi je suis très partant pour ce genre d'aventure. Bon bah les amis, on se laisse là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas avant de partir, je compte sur vous. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous les vidéos que je poste pour pouvoir aider la chaîne à bien se développer, à gagner en visibilité. Et si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, bah déjà, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu en appuyant sur le bouton j'aime. N'hésitez pas également à commenter, partager, vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications avec toutes notifications pour être averti de toutes les sorties vidéo et des autres contenus que je vous propose sur cette chaîne, que ce soit gaming, urbex, thread d'horreur, court-métrage et autres déconnades. Et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube secondaire où je vous partage ma passion de la course à pied. Le lien est en description et c'est tout ça à un énorme merci. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne suite de journée. C'était Fun on Fla.
N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux les amis et que je vous surkiffe. Portez-vous bien. Ciao ciao. Oh yeah.